avec Franck Pellereau pour parler de casting de Chenut qui avait été assez longuement arrêté. Oui, bah écoutez, ça m'amuse parce qu'on l'a fait autoriser 60 cartes. Et puis, en fait, je l'ai castré derrière, comme ça on est tranquille. Voilà, donc on l'a castré, puis on lui a dit on va faire de l'hiver à l'hiver. Enfin, il avait couru un peu au printemps, et après la castration, là, il est tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de sa rentrée ? Bon, c'était pas mal. Parce que Ferré, c'était pas mal. Parce qu'il paraissait battu en haut de la côte, et il s'est bien lancé pour finir. En étant 8-9e, quoi. Bon. Est-ce que ça a suffi pour le ramener à un bon niveau ? Bah, on voulait savoir où on en était, le cheval. Il est beau, il est en bel état, je trouve, on va voir. Hein. Il est bien dans ses baskets. Ah oui. Le cheval est bien dans sa tête, et puis ça c'est sûr. Ouais. Il est plus calme que depuis qu'il est castré. Comment vous l'abordez alors cet engagement ? Bah, il y a 2-3 chevaux devant nous, on va dire même 3-4 peut-être. Enfin 2-3 sûr. Et après on peut rentrer en quintet. Ça va dépendre du numéro de star aussi qui va être important. On sent assez confiant en France. Mais parce que Pierre me dit que le cheval est bien, alors je suis obligé de suivre. Hein, voilà. Il est certain que la rentrée lui a fait du bien, ça l'a réveillé. Ça l'a fait du bien.